Il semble retourner en direction du vestiaire. Effectivement, alors Marc-André, si vous avez des informations, n'hésitez pas. Mais il semble bien que Richard Park a pris 5 minutes. Méconduite et va donc regagner le vestiaire. Il est en train de le regagner. Ah ouais, ouais, pour le coup de crosse là, très clair. Le coup avec le bout de la pointe sur le joueur fribourgeois. C'est une pénalité de méconduite match. C'est dans le règlement. Et c'est très clair sur ces images au ralenti. On n'a pas le droit de taper un joueur avec le bout supérieur de sa crosse ni avec la pointe de la palette. Et si le joueur est touché, normalement, c'est une pénalité de match qui a évidemment provoqué l'énervement de Michael Ngoy.